Yo tout le monde, salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2019 OM Lille. Sur ce, bon visionnage. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Bref, tout est en place ici et on n'attend plus que les 22 acteurs pour débuter la rencontre. Voilà un stade magnifique, plein comme un neuf, c'est parfait pour ce match. On va voir ce que nous réserve ce match. Payet, El Ghazi qui a mis son pied en opposition. La passe en retrait vers son défenseur. Camara. Voici Ndjé. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Voilà une passe décisive qui ne trouve personne. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Oh, quel geste! Oh, Forlan, il est bien placé. Énorme occasion! Ouais, c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ah! Ça aurait pu faire mieux, je ne sais pas passer loin. L'Olympique de Marseille qui peut viser aujourd'hui un sixième match consécutif sans défaite à domicile. Van Persie, il relance côté droit. Ça peut être extrêmement dangereux. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est parfait, magnifique. On joue sur l'aile, il est servi. Il est à distance de tir. Il rejoue derrière lui. C'est bien Van Persie. Et but! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Tout est magnifique dans ce but.
Elle fait du bien, cette ouverture du score. Ils ont débloqué le compteur, mais ça n'a pas fait taire les supporters pour autant. Va falloir être top maintenant. Payet. Ça joue à gauche. Il joue dans l'espace. Le bon appel du défenseur. Bonne intervention du défenseur. Ce sera un corner. C'est bien fait, ça. Donc il va vite sur ce côté. Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. Le bon dribble, c'est bien fait. Il est en bonne position pour centrer. Bien servi. Forlan, ils ont une autre chance. Oh, le but! Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but. Mais ce n'était même pas une occasion et pourtant avec lui, ça fait but. Ok, l'attaquant est très opportuniste, oui. Mais quelle mésentente de la défense! C'est le bazar! Lille vient peut-être de se mettre à l'abri. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. L'Olympique de Marseille qui récupère ce ballon. Lopez. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, le bon ballon! Le drapeau ne s'est pas levé! La tête! Oh, quel coup de tête! Mais ce n'est pas cadré! Un long ballon vers l'avant. Lille qui peut avancer. Allez. Il est passé. Oh, la frappe! Ah, dommage, ça ne passe pas loin. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Et le ballon a franchi la ligne. Payet, bien servi sur le côté. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Le
Lucas Ocampos. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Gier. Payet qui fait son retour dans le 11 de départ après quelques matchs d'absence. Le ballon sort du terrain. Le ballon sort en touche. Payet qui cherche une solution. Payet. Lopez. Lille mène toujours au score. Il n'empêche, la pause va faire quand même beaucoup de bien. Un centre. La frappe. Ça frappe là-bas. Et il marque. Yes. Go. Il n'y a plus qu'un but d'écart. Le suspense est complet. Un geste parfait. L'équilibre, la précision. C'est beau. C'est de la classe à l'état pur. Quel geste. Quel talent. Gier qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Il ne compte plus maintenant qu'un but de retard. C'est un tout autre match qui commence maintenant. Ils sont en train d'inverser la tendance. Le bon dribble. La tentative de centre. Va-t-il en profiter? La passe est précise. Van Persie. Et oui, but! Il compte maintenant deux buts d'avance. Quelle intelligence dans la finition. Oh, l'efficacité diabolique. Hat-trick pour lui aujourd'hui. Et c'est mérité, il a été insaisissable. Insaisissable. Les voilà avec deux buts d'avance. Alors là, s'ils se font rattraper au score, l'entraîneur va leur souffler dans les branches. Luis Araujo. Bien joué ce tacle. L'arbitre a sifflé, faute. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Il allonge. Et le gardien s'en saisit, tranquille. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Ils sont menés 3-1 à la pause, il faudra vite réagir en seconde période, vite. Allez, on est reparti. La passe dans la profondeur. Et c'est intercepté. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. L'interception au bon moment. Le long dégagement du gardien. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Lille, qui a fait le plein de confiance au dernier match en s'imposant face à un candidat au titre. Il peut choisir de centrer.
tente sa chance. C'est bien donné. Il y a danger. La tentative! Il avait fait le plus dur pourtant. Quelle inspiration. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. Camara, il décide d'allonger le jeu. Luis Araujo. Il tente de la jouer dans l'espace. Il y aura donc touche. À la bas. Il reçoit le ballon. Ça sent la frappe. En retrait pour repartir proprement. L'Olympique de Marseille qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison Grégoire, j'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans l'ode. Il frappe ! Un grand dégagement le plus loin possible. C'est une occasion ça ! La défense bien présente. Payet, il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, Van Persie. Van Persie qui choisit le côté gauche. Bonne intervention défensive. Et c'est directement récupéré. Ça joue à gauche. L'interception, bien joué. Payet qui choisit le côté gauche. Pour trouver la faille dans la défense. Luis Araujo. Un peu de coaching, c'est bien. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. À la bas. Pas de faute. La qualité du marquage est à souligner quand même. Oui, ben c'est un peu tard, non? Il a déjà mis un hat-trick. Lopez qui récupère ce ballon. Ah, c'est ce dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, le contre, l'arme fatale. Il est passé. C'est joué long, attention. C'est bien Van Persie. Et c'est le but. 3 buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Rendez-vous compte, il a marqué 4 buts à lui tout seul aujourd'hui. Il compte désormais 3 buts d'avance. À la barre. Touche donc. Sanson reçoit le ballon. Oh, il l'a récupéré. C'est joué long. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Cette attaque n'a pas pu se développer. Ça joue à gauche. Il joue dans l'espace. Oh, l'interception! Bien tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Il y a peut-être un coup à jouer. Il enchaîne les dribbles. Mais il tombe sous la pression. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. V-
voilà une bonne occasion de contre. Lopez, il choisit la profondeur. Il va avoir de l'espace. Là, il a préféré jouer la sécurité. S'il le trouve, Luis Gustavo, qui est récompensé de son pressing. Lopez, qui cherche la faille. Ce sera un coup franc. Son coéquipier est libre, bonne passe. Le bon dribble, il est à distance de tir. Forlan. En dribble, c'est bien fait. Aruna Kone. Il glisse le ballon en profondeur. Bien servi. Dans la surface. Van Persie. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Quel match, quel match, quelle démonstration. Ils ont montré tout leur savoir-faire offensif aujourd'hui. Ils étaient vraiment largement au-dessus. Que retenez-vous de cette rencontre? Ils ont marqué très vite dans ce match et ça a boosté leur confiance. C'est là qu'ils ont fait la différence puisqu'à l'arrivée, ils s'imposent par un seul but d'écart. Merci Darren de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre. Très belle soirée à tous. À très bientôt, salut. Merci Grégoire, on remet ça quand vous voulez. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!